Bonjour, je viens vous faire cette petite vidéo solennellement pour vous dire que ma vie prend une autre tournure. Une tournure que je n'y attendais pas. Mais elle se dessine parce que tout l'enthousiasme que j'ai en moi me montre un chemin qui est différent de tous les chemins que j'ai pu prendre. Je vois comment le monde tourne, comment nous vivons, nous, les êtres humains, comment la vie est faite de bousculades, de dangers, de malchance pour beaucoup qui n'ont pas grand-chose, qui sont broyés par tout un système qui remet en cause leur dignité. Je veux dire ça parce que, en fait, cela me touche, tout ça. Et je ne peux pas continuer à vivre ainsi sans faire une action pour ma part. Et mon action, elle est très simple. C'est que je veux postuler pour être celui qui est rien. J'offre un message à ceux qui veulent vivre mieux de s'engager avec moi pour vivre ensemble. Sans distinction. Sans distinction de race, de couleur, de riche ou de pauvre, de grand ou de petit, de gras ou de gros. Sans distinction. Vivre ensemble, sur cette île, avec une différente manière de voir les choses. Et pour faire en sorte que nous puissions le faire, il est avantageux pour celui qui s'avance dans cette direction avec moi d'être intègre, d'être vrai et de ne rien attendre de qui que ce soit, mais d'être acteur de sa vie, acteur de tout ce qu'il dit, acteur de tout ce qu'il fait, sans se laisser être acheté par ce que les promesses qu'on puisse lui faire. On n'a pas de promesse. La promesse, ce ne sont que pour les ignorants qui veulent entendre quelque chose qui va les réconforter. La promesse n'est pas ce qu'on fait. On veut dire que la promesse, c'est toi-même. Toi, tu es la promesse de demain. Tu es la promesse de ce monde. Tu es la promesse que le monde puisse aller mieux. Et ensemble, allons ensemble, vivre ensemble, sans distinction. Et pour ça, il faut se rallier en nombre pour que ça ait de l'impact sur toute la société. Parce que cette société, c'est la société du un. Moi d'abord, les autres après. Et en étant comme ça, eh ben, il y a de la rivalité. À partir du moment où il y a de l'intérêt, intérêt d'argent, intérêt affectif, il y a de la division. Dans nos villes, dans nos maisons et partout dans nos écoles, de la division. Allons vivre ensemble. Sans distinction, sans nous diviser, et comprendre ensemble que la vie se fait ensemble, par chacun de son côté, avec ses petits privilèges. Merci.